Politique provinciale maintenant. À quelques jours de la rentrée parlementaire, les jeunes caquistes se sont réunis pour discuter des enjeux auxquels leur parti sera confronté. Et justement, on peut dire que les dossiers chauds sont nombreux ces temps-ci à la CAQ. Marc-Antoine Lemoignard. Ce fut toute une semaine pour le gouvernement Legault et sa formation politique réunie au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du caucus précessionnel. Il y a des dossiers chauds, évidemment, à venir dès l'automne, dont bien, cette négociation avec le secteur public, alors qu'une entente se fait toujours attendre en éducation et en santé. Le premier ministre dit ne pas avoir la capacité de payer les demandes salariales des syndicats et craint même à de potentielles grèves à l'automne. S'ajoute à cela, évidemment, la déclaration fracassante de la mairesse de Gatineau plus tôt cette semaine sur le dossier de l'itinérance et la demande d'une révision de la fiscalité de la part des villes. Le premier ministre a été clair. Il demande à ce que les villes respectent la capacité de payer de Québec. Le pacte fiscal, c'est pour 2024. Je crois qu'il faut arriver à la table des négociations avec une approche collaborative. Donc oui, il y aura des bonnes discussions à avoir avec le gouvernement du Québec. Oui, les responsabilités sont grandissantes pour les municipalités, mais je pense qu'il faut faire les choses correctement. Les défis sont grands aussi pour la nouvelle génération, la relève caquiste qui se rassemblait samedi pour discuter d'enjeux très important ici au Palais des congrès de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier ministre est venu livrer un discours. Écoutons-le. Vous avez des grands, des énormes défis devant vous autres. Mais, sincèrement, je suis optimiste. Je suis optimiste quand je vous vois. Mais l'avenir, là, est entre vos mains. Et je suis fier de vous autres. Puis je trouve que notre avenir, il est entre bonnes mains. Ce que les jeunes veulent, ben c'est des actions pour l'éducation, notamment la salarisation des stages. On parle d'environnement. Penser aux conséquences des changements climatiques. On veut justement voir comment qu'on peut prévoir les conséquences des changements climatiques, puis bon, bâtir nos infrastructures en conséquence, entre autres. La nouvelle présidente élue samedi fera des changements climatiques son premier combat comme elle jeunesse. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu.